Très bien, ben allons-y alors. Bienvenue à l'Electrolab pour cette soirée conférence, une première sur un format qu'on a, voilà, qui vient d'être décrété, entre guillemets, on appelait ça ouvre-boîte. Et le sujet de ce soir, donc, c'est la 5G. Alors, il est utile, de préciser le cadre dans lequel cette conférence a lieu, donc sur ce sujet, la 5G. L'Electrolab, donc, nous sommes une association culturelle. Nous militons pour le partage non marchand des connaissances scientifiques, techniques et industrielles. Et donc voilà, cette conférence se place dans ce cadre-là, c'est-à-dire que nous allons parler technique. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser au final de la 5G et être pour ou contre. Mais l'idée, c'est, au travers de l'intervention de Yannick, d'avoir des éléments et des clés sur l'aspect technique qui vont aider au travers des, enfin, avec les autres éléments autour de ce débat actuel, voilà, qui, on l'espère, va vous permettre de vous forger une opinion la plus éclairée possible. Donc, juste deux mots. Donc, le format en question est nouveau. On a appelé ça ouvre-boîte. J'avais envie de dire trois choses avant de commencer. C'est que d'un, si vous avez envie, que vous soyez membre du lab ou pas, de proposer des sujets sur dans cette même logique, en fait, donc de format, disons, relativement court. Là, on va parler pendant une heure. Après, on aura une séquence questions-réponses de au moins une demi-heure. Et puis, on va voir comment ça se passe. Si ça doit être plus, ce sera plus. Donc, si vous avez envie de proposer des sujets, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à contact@electrolab.fr ou directement venir sur place au lab. Actuellement, on est encore ouvert de 14h à 19h tous les jours avec des nocturnes et mardis et jeudi soir. Surveillez le site internet, ça peut changer. Ça se tend un petit peu côté sanitaire actuellement. L'autre chose que j'avais envie de dire aussi, si vous voulez en savoir plus sur l'Electrolab et sur, sur notre mission, sur ce qu'on fait, on a des visites tous les mardis soirs à 20h. Donc elles sont maintenues jusqu'à nouvel ordre. On fait ça dans des bonnes conditions de sécurité. Il y avait un troisième point que j'ai oublié, c'est pas grave. On est une association, c'est pas facile à l'heure actuelle, c'est pas facile d'une façon générale, on n'est pas là pour gagner de l'argent et on est là parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. La situation du lab, comme pour beaucoup d'associations et pas que aussi, plein d'entreprises, est compliquée. Donc pareil, si en nous découvrant, si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur donate.electrolab.fr, donc donate, D-O-N-A-T-E, et si vous voulez faire un don, ce sera le bienvenu et ça nous aidera à poursuivre l'aventure, espérons-le, pour très longtemps encore. Yannick, je te laisse la parole. Eh bien, c'est parti. On prend les questions sur... Si, j'ai oublié ça. On prend les questions sur YouTube et pour les membres du lab sur le chat du lab. Donc, on est deux personnes à prendre les questions et on relayera tout ça. Bonne conférence. Bien, donc je vais prendre la suite et inaugurer cette séquence ouvre-boîte. L'objectif de ce nouveau format là, c'est de décortiquer un objet technologique, d'éclairer un peu le consensus scientifique parce que c'est quelque chose qui existe, le consensus scientifique, et on perd souvent pied ou on perd souvent connaissance de ce qu'il est. Et puis bien sûr, de se construire un avis sur l'objet qu'on décortique. Je pense que c'est un sujet qui est suffisamment polémique en ce moment pour que je dise quelques mots sur qui vous parle, sur qui je suis. Donc mon nom c'est Yannick Avellino, je suis cofondateur de l'Electrolab, cofondé en 2010.
De formation, je suis ingénieur télécom et traitement de signal. C'est pas complètement le métier que je fais la journée, même si un petit peu par certains côtés, puisque je suis directeur technique d'un cabinet de conseil en électronique qui s'appelle Alcium. Je suis membre d'un parti politique qui s'appelle Génération et je n'ai pas de contrat en cours avec aucun des quatre opérateurs historiques de téléphonie mobile. Donc j'ai bossé pour eux à certains moments au travers de contrats courts et je n'en ai pas en cours. J'ai pas de conflit d'intérêt avec ces gens-là et donc j'espère être le plus indépendant possible dans ce que je vais vous raconter. Bah pour commencer, excusez-moi, je fais un peu dense parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, j'essaye de tenir sur un format de 45 minutes, 1 heure max, pour que la vidéo, puisqu'elle va rester en ligne, reste visible. Et plus d'une heure, c'est pas possible de regarder une vidéo de plus d'une heure, donc je vais être un peu dense. On complétera par les questions, les séquences de questions à la fin. J'espère que notez, et puis j'essaierai de répondre si j'ai les éléments de réponse. Donc pour commencer, de quoi parle-t-on quand on parle de 5G, on parle d'une norme, c'est une norme de télécom. C'est pas forcément quelque chose de nouveau, puisque les gens travaillent, il y a des gens qui dans le comité de normalisation qui s'appelle le 3GPP, qui travaillent là-dessus depuis longtemps maintenant. Et cette norme définit un ensemble de techniques qu'on doit assembler pour apporter des services. Donc les techniques, ce sont les briques du Lego, et la norme, c'est comment on assemble les briques pour en faire quelque chose d'utile, ou du moins qui a des usages. Ce qui m'a semblé intéressant aussi, pour éclairer cet aspect télécom et normes de télécom, c'est de parler un peu de l'histoire de la téléphonie, parce que vous allez voir que c'est pas complètement anodin. Antonio Meucci en 71, puis avec Graham Bell et puis Isha Gray ont inventé un truc qui s'appelle le téléphone, et ils l'ont inventé chacun de leur côté. Il y a des petites controverses là-dessus, forcément, parce que il semblerait que le prototype qui était un peu préliminaire de Meucci était stocké dans un bâtiment auquel Graham Bell avait accès, et que peut-être qu'il s'est inspiré de certaines choses. Il y a une controverse là-dessus, mais en tout cas, au niveau des brevets qui existent et puis au niveau des traces historiques qu'on a de tout ça, c'est que, comme souvent en science, les mêmes idées ont provoqué l'apparition de mêmes techniques, et l'état de l'art a provoqué l'apparition de mêmes idées. Et vous allez voir que ça allait très très vite à partir de ce moment-là, à partir de 1975, qui est le dépôt de brevets, pour avoir l'apparition de réseaux téléphoniques. Et vous allez voir que dès le départ, on parle de réseau. Donc le premier réseau téléphonique, c'est Boston, installé par Bell. Donc c'est un réseau civil. C'est important à mentionner aussi, parce qu'on dit toujours les nouvelles technologies, les militaires ont la main dessus avant que ce soit accessible au public, etc. Là, les télécoms, c'est l'exemple typique de quelque chose où c'est pas le cas. Ce qui s'est fait dans le civil a devancé et de loin ce qui s'est fait chez les militaires. Donc ce qui est important de voir, c'est que le dépôt du brevet, c'est 75, et en 1880, il y avait déjà 49 000 terminaux, téléphones, sur le territoire des États-Unis. Donc c'est allé très 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 vite. Alors j'ai dit qu'on parlait de réseau, et pourquoi on parle de réseau? Parce que toutes les lignes des abonnés arrive dans un central, en anglais on dit Telephone Exchange, et puis concrètement on avait à l'époque un opérateur ou une opératrice qui reliait avec un câble physiquement les lignes des gens qui voulaient parler ensemble. On tournait la manivelle, ça faisait s'allumer une petite loupiote sur le tableau du central téléphonique, et puis on connectait les gens à qui voulez-vous parler? Je veux parler à un tel, ok, je vous branche. Et très très vite, il y a eu de l'automatisation là-dessus. Et ça aussi, c'est surprenant parce qu'on parle de 1891. Dès 1891, on a eu un réseau téléphonique où il y avait une mise en relation automatique par l'utilisation d'impulsions. C'est-à-dire que les téléphones avaient des cadrans, vous en avez
sûrement tous déjà vu, mais ça a commencé très tôt. Et ces cadrans, bah, quand on tourne le cadran, ça a pour effet de faire des... Vous l'avez sûrement entendu, hein, si vous avez utilisé ce genre de téléphone, ça faisait tac, 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 tac dans l'écouteur. Voilà. Et bien ça, ces impulsions-là, elles n'étaient pas anodines. Elles permettaient de piloter à l'autre bout, dans la centrale téléphonique, des commutateurs. Et à chaque fois qu'il y avait une impulsion, ça faisait avancer le commutateur d'un cran. Et donc, bah, vous avez sur l'image à droite là, de l'écran, vous avez le premier commutateur qui date de 1891. Donc, on a cherché très tôt à automatiser tout ça, et puis et ça a fait beaucoup avancer la technologie. Parce que, bon, j'en ai pas parlé, mais au niveau du téléphone, le gros sujet, c'était le microphone. Comment capter le son et il y a eu plein de batailles scientifiques et techniques sur les meilleures techniques pour capter le son et puis pour le restituer. Puis, comme on est là pour parler de télécom, radio, de wireless, et ben on va voir que ben assez tôt aussi, on a commencé à avoir de la téléphonie mobile avec des antennes, avec de la radio. Donc la radio se développe, on a eu... avant la guerre, il y avait déjà plein de projets de télécom. Il y avait eu des communications transatlantiques. On savait faire tout ça. Par contre, les États-Unis avaient une technologie particulière qui s'appelle la modulation de fréquence. Ça, c'est quelque chose, la modulation de fréquence, qui a apporté beaucoup, et qui a apporté beaucoup pendant les guerres. La particularité de la modulation de fréquence, c'est que le signal qu'on veut transmettre, il est porté par une variation de la fréquence porteuse. Donc, si on dit que la fréquence porteuse du signal, c'est 150 MHz, eh bien, on va faire des petites variations autour de ces 150 MHz, et c'est ces petites variations-là qui vont porter le signal qu'on veut transmettre. Avant cette techno-là, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on envoyait un signal 150 MHz et on faisait varier l'amplitude. Faire varier l'amplitude, c'est bien, mais dès lors qu'on parle de dispositifs qui se déplacent, eh bien, il y a plein d'autres raisons autour qui viennent faire qu'on va faire bouger l'amplitude du signal reçu et que donc on ne va pas réussir à recevoir le signal correctement dans de bonnes conditions. C'est pour ça que dans votre voiture, vous n'écoutez pas les grandes ondes AM. Si vous essayez, ça ne marchera pas. Ou alors si vous êtes arrêté sur un parking, ça va marcher. Mais si vous essayez en roulant, ça va marcher très très mal. Et donc, ben, notamment pendant la guerre, les Allemands, dans leurs chars, ils avaient de la communication radio, c'était de l'AM, et donc ils ne pouvaient pas parler pendant qu'ils roulaient, pendant qu'ils se déplaçaient. Alors que les Américains, oui. Et au sortir de la guerre, ben, Bell a essayé de trouver des applications civiles à ce truc-là, et une des premières, ça a été ben, un service de téléphonie mobile. Et dès le départ, ce service de téléphonie mobile, ben, il a été interconnecté avec le réseau filaire. C'est ce qu'on appelle la 0G. C'est le début de la téléphonie mobile. Donc là, sur l'image de droite, vous avez, bah évidemment, ça prenait pas mal de place dans le coffre de la voiture. Hein. Il y avait l'émetteur à gauche, le récepteur au milieu, puis à droite, là, une autre boîte qui est le commutateur. Vous vous rappelez, je vous ai dit que commutateur, pourquoi il y aurait un commutateur dans ce machin-là ? Ben parce que quand on utilise la radio, le canal de transmission, ben il est commun, tout le monde le reçoit. Donc la ligne téléphonique qu'on va utiliser, dans l'absolu, tout le monde peut la recevoir. Et donc, quand on est plusieurs clients de ce service, ça pose des problèmes, parce qu'il n'y a pas un nombre de fréquences infinies, et surtout, on ne sait pas sur quelle fréquence écouter. Donc, en réalité, tout le monde est réglé sur la même fréquence qu'est la fréquence du relais du coin. Mais pour savoir qui on appelle, on a utilisé le même système d'impulsion. Donc le correspondant, en composant, eh ben, envoyait les impulsions les mêmes qui étaient transmises par radio, et le commutateur dans la voiture sautait d'un cran à chaque impulsion, et quand on arrivait sur le nombre de crans qui correspondait au numéro de téléphone de la voiture, il y avait la sonnerie se déclenchait, une petite loupiote qui s'allumait, on t'appelle. Et si c'était pas, si on n'appelait pas cette voiture-là, ben, pour le coup, il y avait un autre voyant qui s'allumait, qui était un voyant rouge, qui disait « Ben non, la ligne est déjà prise, tu peux pas parler ». Donc s'il y avait 150 clients, il n'y en avait qu'un qui pouvait parler en même temps. Alors, j'ai parlé de 0G, c'est pas complètement innocent, c'est parce que ben, y avait pas de normes internationales, il y avait
des initiatives d'entreprises locales. Il n'y en a pas eu qu'une, il n'y a pas eu que celle de Bell. Il n'y avait pas vraiment de logique de cellule, parce que le radiotéléphone, ben, il était connecté à un relais local sur une fréquence fixe. On ne pouvait pas passer d'une cellule à l'autre. On était juste dans la région de... c'est à Philadelphie, voilà, on était dans la région de Philadelphie et donc on était réglé sur la fréquence de ce relais-là et fin de l'histoire. L'autre particularité, c'est que c'est un réseau dans lequel il y a un bouton pour parler. Pour parler, il faut appuyer sur le bouton. Quand on relâche le bouton, on écoute ce que dit le correspondant. Et quand on veut lui parler, on appuie sur le bouton pour mettre l'émetteur en route parce qu'on ne sait pas émettre et recevoir en même temps dans de bonnes conditions. Et donc, c'est des réseaux très hétérogènes. Pas compatible. Et mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, il y en a eu qui ont fonctionné jusque dans les années 90, depuis 1946. Donc, ça, c'est quelque chose qui a fonctionné très très longtemps. Voilà. Après la 0G, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la 1G qui arrive. Et là, ben, c'est effectivement cette notion de cellule de téléphonie qui apparaît. Puisque ben, on est déjà dans les années 80, donc on commence à avoir des composants électroniques qui savent faire un peu de calcul, qui savent faire de la logique. Et donc on peut avoir une gestion dynamique des fréquences auxquelles les émetteurs et les récepteurs fonctionnent. Donc le microprocesseur commence à être là, on commence à avoir des dispositifs qui sont certes un peu gros par rapport au téléphone qu'on connaît de nos jours, mais qui ont de la logique à l'intérieur. Et qui savent prendre des décisions vis-à-vis du réseau et qui savent parler avec le réseau pour prendre des décisions. La particularité, c'est que donc, le transport de la voix reste analogique. Hein, c'est toujours de l'AFM, c'est toujours les variations de la fréquence porteuse qui transportent le signal. Par contre, en plus du signal voix, il y a de transporter des données qui servent à la gestion du réseau et uniquement à la gestion du réseau, ce qu'on appelle les données de signalisation. C'est aussi à ce moment-là qu'apparaît un truc qui s'appelle le handover. Le handover, c'est quoi ? C'est la capacité à changer de cellule. C'est-à-dire, le téléphone va automatiquement, et quand il va sortir de la zone de couverture d'une cellule, il sait demander à la cellule et les copines autour, elles sont à quelle fréquence ? Ok, je vais changer la fréquence pour aller écouter laquelle je reçois le mieux et je passe sur celle que je reçois le mieux. Voilà. Et donc, ça c'est un mécanisme qui est un serpent de mer en télécom et qui a commencé à apparaître là. En France, on a eu le réseau Radiocom 2000, parce que 2000 ça faisait bien dans les années 80, qui fonctionnait dans la bande des 400 MHz à peu près, et qui en 88 avait 60 000 abonnés, essentiellement des médecins et des hommes politiques, parce que, il y a des chefs d'entreprise évidemment, mais les plus gros utilisateurs civils, en général quand on a connu quelqu'un qui avait du Radiocom 2000, c'était un médecin, parce que pour des raisons d'urgence. Alors j'ai dit cellulaire, on va peut-être revenir un peu sur cette notion. Alors, je triche un peu, le diagramme qui est à gauche, là, c'est un diagramme qui représente un réseau 2G, donc un réseau GSM, mais c'est pas grave, la logique est là. La logique, c'est de diviser le territoire en zones, et de zones qui ne sont pas forcément de taille fixe. C'est-à-dire qu'on va faire des zones qui vont faire quelques centaines de mètres en milieu urbain ou dans des zones très accidentées où la propagation est difficile, jusqu'à quelques kilomètres, voire dizaines de kilomètres en zone rurale. Au centre de chacune de ces cellules, enfin pas forcément au centre d'ailleurs, mais dans chacune de ces cellules, il y a un relais, qu'en 2G on appellera une BTS. Et ces relais sont interconnectés par un réseau câblé, ou des faisceaux hertziens d'ailleurs, mais enfin disons réseau câblé, et des échanges protocolaires permettent au téléphone, qu'on appelle un terminal, permettent au terminal donc de sauter d'une cellule à l'autre au cours d'une communication.
Après la 0G, la 1G, on arrive à quoi ? On arrive à la 2G, le GSM. Et ça, le GSM, ben, c'est une success story européenne. Et on va voir que ce n'est pas sans lien sur la manière dont ça s'est passé après pour la 3G, 4G, 5G. C'est parce que la success story européenne n'a pas forcément plu à d'autres, et d'autres ont essayé de récupérer, la maîtrise technologique. Et on verra comment ça s'est déroulé. Donc en 1979 déjà, la CAMR, donc c'est la Commission mondiale qui régit les télécoms, les radiocommunications, s'est bien rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette vis-à-vis des normes de téléphonie mobile et qu'il manquait une bande de fréquence pour faire ça. Et donc, alors qu'on ne savait pas encore trop ce qui allait être fait, on a décidé de libérer la bande des 900 MHz en prévision 2, parce que c'est des processus longs. Surtout quand on veut l'harmoniser au niveau international, chaque pays doit faire le ménage chez lui, éditer ses lois locales pour pouvoir libérer les bandes, et donc c'est très très long. En 82, la CEPT, donc là c'est un organisme européen de normalisation en termes de télécom, met en place un groupe d'études qui s'appelle le groupe spécial mobile. Alors GSM, ça vient de là, c'est le groupe d'études sur les communautés télécoms mobiles. Et très très vite, là ça s'est enchaîné, en 83, le CNET, donc essentiellement à Lannion, mais pas que, a lancé un projet qui s'est appelé le projet Marathon, dont l'objet était de commencer à définir les spécifications de ce que pourrait être un futur réseau, et a pris dès le départ l'option d'un réseau complètement numérique. Et le 15 juillet 83, hein, la France et l'Allemagne ont décidé d'accepter le principe commun d'un système de téléphonie cellulaire entièrement numérique, qui à l'époque avait pour petit nom S900, ça s'est jamais vraiment appelé comme ça, mais c'était la décision. Alors il faut bien se rendre compte qu'en 83, décider qu'on allait concevoir un système de télécom numérique à l'échelle internationale, c'était un truc complètement fou, c'était complètement osé. Et si aujourd'hui on ne sait pas ce que c'est que faire de la planification d'infrastructures et de R&D dans un pays, à l'époque, pour avoir ce genre d'ambition, il fallait vraiment avoir une vision très très long terme et une politique extrêmement volontariste. Parce que en 83, on ne savait pas, on n'avait pas les outils pour numériser du signal dans des volumes acceptables. On n'avait, et de loin, pas les moyens de faire du calcul rapide pour faire de la compression de voix, pour faire de la gestion de protocoles suffisamment rapide. Et on savait faire, mais avec des armoires entières et avec beaucoup de matériel. Et dire que l'objectif, c'était de faire rentrer ça dans la poche de chaque citoyen européen à l'époque, il y avait quand même une révision, une vraie longueur d'avance. Et donc voilà, l'enchaînement se poursuit. En 85, la Commission européenne impose la norme à ses membres, dit voilà, il y a un projet à l'échelle européenne, si vous mettez en place un réseau de téléphonie mobile à l'avenir, parce qu'il y avait déjà des choses qui existaient sur le terrain, il faut que ce soit cette norme qui va apparaître. C'était, pareil, c'était un peu osé, parce que la norme n'existait pas encore, elle était à l'étude. Et en 90, apparaît pour la première fois et publiée la première version de la norme, de cette norme GSM. Et c'est dans la foulée que la première maquette aux Ulysses dans 78 a été faite de la première communication à la norme GSM dans un labo avec des équipements de labo. C'est-à-dire qu'à l'époque, un terminal, ça prenait une camionnette entière. La première maquette a été faite avec du matériel qui rentrait dans une camionnette, pas dans une poche. Et malgré tout, en 92, Orange a lancé l'ouverture commerciale. Et donc, vous avez à droite le premier dispositif qu'a eu Orange
pour, enfin, que France Télécom à l'époque, j'ai dit Orange, France Télécom à l'époque, pour expérimenter les premiers devices à raccorder sur le réseau. Et les premiers téléphones à être commercialisés par France Télécom en boutique, le catalogue France Télécom, c'était les sept téléphones qui sont là. Donc on est très très vite passé d'un truc qui était une manip de labo et qui était complètement démesuré, qui semblait presque irréel, à quelque chose qui, en termes d'intégration, finissait par presque rentrer dans une poche quand même. Enfin, un peu des grandes poches, mais ça marchait. Et une petite idée, le prix d'un terminal GSM à l'époque, là, ils étaient vendus 15 000 francs. Alors j'ai fait le calcul, hein, 15 000 francs à euro constant, ça fait 3 350 euros d'aujourd'hui. Donc c'était quand même, c'était une démarche, c'était pas accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, ça nous ferait un peu bondir si on demandait à tout un chacun de s'équiper avec un terminal de téléphonie qui coûte ce prix-là. Certains le font avec des terminaux qui sont pas loin de ce prix-là, mais c'est leur choix, ils sont pas obligés. Ce qui est intéressant, et pareil, c'est pour mieux parler de 5G après, c'est de parler des atouts techniques du GSM. Donc déjà, la bande de fréquence, le début c'était 900 MHz, hein, je l'ai dit, qui a été libéré. Et puis après, très vite, on a eu besoin de plus de capacité, donc on a utilisé la bande d'un gigabit. C'est un système qui est full duplex, vous l'avez tous utilisé, donc vous savez très bien que vous entendez et vous pouvez parler en même temps. Et en fait, le système émet et reçoit sur deux fréquences différentes. Espacé de 45 mégas, je crois. Il y a ces fameux relais de téléphonie mobile là, qu'on appelle des BTS et qui travaillent sur 124 canaux. Chaque relais travaille sur 124 canaux, 124 fréquences. Et sur chacune de ces fréquences, on met 8 utilisateurs simultanément. Donc il y a 8 time slots, donc des instants où les terminaux ont le droit de parler. Sur chaque relais de téléphonie mobile du réseau GSM, on peut mettre presque 1000 clients, 992 clients. La modulation utilisée, c'est une modulation, c'est de la GMSK, donc c'est une modulation de fréquence, une famille de modulation de fréquence, donc toujours pour les mêmes raisons, hein, parce qu'on a besoin que ce soit la fréquence qui porte l'information, vu qu'on a affaire à des terminaux qui sont mobiles. Et cette modulation, elle a la particularité d'être optimisée sur le plan énergétique. Par contre, elle nécessite de faire des récepteurs qui sont compliqués. Et donc, c'est pareil, le pari technologique lors de l'écriture de la norme, d'aller sur ces options-là, c'était clairement les meilleurs sur le plan technique, mais sur l'aspect faisabilité, ça n'avait rien d'évident au début. Ce que sait faire un terminal GSM, enfin le réseau GSM, c'est d'optimiser dynamiquement la puissance du terminal, c'est-à-dire je te reçois trop fort ou très fort, tu peux baisser ta puissance. Ça a pour effet déjà de ne pas marcher sur les copains, et puis ça permet de limiter l'énergie que reçoit la personne qui tient le téléphone à la main. Il y a un système de correction temporelle, parce que forcément, comme tous les terminaux ne sont pas à la même distance du relais, le temps que met la trame radio pour aller du terminal jusqu'au relais n'est pas la même. Donc les time slots, c'est bien joli, mais en fait, il faut émettre plus ou moins en avance pour que le relais, lui, reçoive la trame au bon moment. Donc ça fait des gestions assez fines, l'air de rien. Et puis, il faut aussi gérer un truc qui s'appelle l'effet Doppler. C'est que avoir des terminaux qui sont dans des voitures ou dans des trains, qui dit un TGV, parce qu'on est en plein dans l'époque, là, et l'objectif, c'était d'avoir un truc qui marche dans le TGV. C'est pas pour rien. Le GSM, c'est 300 km/h. C'est pas pour rien. C'est parce que c'était... voilà. Hein, on est d'accord, c'est les Français qui ont développé la norme GSM. Voilà. La correction en fréquence, d'erreur de fréquence et du glissement en fréquence lié à l'effet Doppler est quelque chose qui est intégré dans la norme. Et un truc très 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 important qui n'existait pas dans les autres réseaux, c'est cette histoire de carte SIM. Et ça, c'est une idée hyper constructive parce qu'elle permet de rendre le terminal agnostique de l'abonnement. Vous pouvez prendre n'importe quel terminal, vous mettez votre carte SIM qui porte votre abonnement et vous allez l'utiliser. Ça
va fonctionner. Avant, on était sur des systèmes où il fallait aller en boutique avec le terminal, reprogrammer le terminal avec les paramètres de l'abonnement, et puis là, ça marchait. Mais vous ne pouviez pas échanger le terminal avec un copain, ça ne marchait pas. Toujours dans les atouts techniques du GSM, hein, surtout sur le plan radio, ce qui est particulièrement impressionnant, c'est la foule d'innovation qu'il y avait pour l'époque. À la fois on fait du multicanal, à la fois ces canaux ils sont découpés temporellement, du TDMA ça s'appelle. On utilise une modulation avancée, optimale sur le plan théorique, et puis on met en œuvre ce qu'on appelle de la correction d'erreur. C'est-à-dire que on se rend très vite compte que une transmission radio, elle n'est pas parfaite. Il y a toujours des moments où on en loupe des bouts, où on reçoit la trame entachée d'erreurs liées à du bruit dans le canal de communication, je ne sais pas quoi. Ça a été une des premières applications civiles à la correction d'erreurs. Il y a un autre truc impressionnant dans un téléphone GSM, c'est qu'on utilise pour la première fois un vocodeur. Un vocodeur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le truc qui va prendre la voix. On prend la voix, elle est numérisée, donc on a un signal qui est sous forme de nombre, mais qui est toujours représentatif de la forme d'onde de la voix, de la pression acoustique. Mais si on voulait transmettre ça de manière brute, ça prend beaucoup trop de débit. Et on ne sait pas faire passer ça dans la ressource radio qui nous est allouée, et encore moins si on veut mettre 1000 personnes par canal. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On invente un système de compression. Ce vocodeur, c'est un système de compression optimisé pour la voix, et il a pour caractéristique de ne pas transmettre les données de la voix, mais de modéliser la voix sous forme, on va dire, d'instruments de musique empilés les uns sur les autres, une caisse de résonance, un machin qui siffle, et au lieu de transmettre la voix, on transmet les paramètres de ces instruments de musique. C'est ça le vocodeur. Et dans votre téléphone, il y a plein de vocodeurs, il y a plein de générations différentes de vocodeurs, parce que c'est des technologies qui ont continué à évoluer, vous ne le savez pas, mais votre téléphone il supporte différentes normes de vocodeurs. Et l'autre truc assez fort, c'est que les données de ce vocodeur, on s'est vite rendu compte que dans les paramètres des instruments de musique là, qui permettent de reconstituer de la voix, tous n'ont pas une importance égale. En fait, au bout du compte, il y a quand même un cerveau humain qui lui-même est capable de reconstruire des trucs. Ouais, petite interruption. Oui. Ah. Voilà. Touc, touc. Sauf que... Voilà. Ça n'a pas marché. On s'est rendu compte que dans le vocodeur, toutes les informations n'étaient pas d'importance égale, que le cerveau humain savait reconstituer le message malgré le fait qu'il y ait des erreurs dans la reproduction de ce modèle de voix. On a décidé de prendre, de pas affecter le même niveau de redondance d'informations, parce que le code correcteur d'erreur, c'est ça, c'est rajouter de la redondance d'informations de manière plus ou moins maligne, en faisant plus ou moins de maths, mais sur le fond, c'est mettre l'information plusieurs fois. Selon l'importance des paramètres du vocodeur qu'on a à transmettre, on a choisi qu'est-ce qu'on appliquait comme niveau de sécurité, quelque part. Ça permet de faire passer de la voix dans de très bonnes conditions, dans un débit ridicule de 13 kilobits par seconde. Quand c'est dit de la voix dans de bonnes conditions, c'est que vous reconnaissez, vous savez à qui vous parlez dans un GSM. C'est pas juste. Alors des fois, quand on a une condition un peu difficile, il y a un peu des grilles, mais l'air de rien, il y a l'aspect faire rentrer, trouver des techniques pour faire rentrer ce qu'on a besoin de transmettre dans le peu de canal qu'on a et avec les moyens de l'époque. Il y a beaucoup de choses rassemblées dans la norme GSM. Ce
qui est important de comprendre aussi, c'est que en GSM, on est toujours sur une logique de circuit. C'est-à-dire qu'on avait nos circuits de téléphone, là, où on avait un central téléphonique ou un commutateur qui raccordait les lignes entre elles. Et en fait, dans le GSM, on a toujours cette même logique. Ça marchait toujours pareil. C'est-à-dire que c'était toujours un utilisateur, l'utilisateur N, qui était raccordé avec un autre utilisateur. C'est le central téléphonique de téléphonie mobile qui faisait le raccordement. Mais en fait, les données de l'utilisateur N étaient recollées, remises bout à bout et envoyées sur le réseau téléphonique filaire. Mais en réalité, ce n'était pas un routage de paquets comme on peut le connaître sur Internet. C'était vraiment une logique de connexion point à point, une logique de circuit. Et c'est ça qui va fondamentalement changer entre la 2G et la suite. La 3G, c'est le début d'une normalisation mondiale. Et est apparu un truc qui s'appelle le 3GPP. 3GIP d'ailleurs, et puis 3G d'abord et 3GPP ensuite. Comment ça commence cette affaire-là ? En 98, Bell, toujours eux, qui a été vendu plusieurs fois à la découpe, et là on parle d'un labo, le Bell Northern Research, qui était copropriété notamment de Nortel, Northern Telecom, avait un projet en interne qui s'appelait le Cell Web. Et l'objectif était de faire de la téléphonie mobile entièrement basée sur IP. IP, c'est le protocole qui est à la base d'Internet. C'est le protocole de communication qui est utilisé à Internet. IP, c'est Internet Protocol. Donc là, la logique, le concept, c'est plus une logique de circuit entre des clients, mais c'est un acheminement agnostique de paquets de données. Que ces paquets soient de la voix, des données qui viennent du vocodeur qui est toujours là, ou que ce soit d'autres types de données, les paquets sont acheminés de la même manière. Et on peut faire appel aux mêmes équipements de routage que les équipements qu'on utilise pour Internet. Ce qui permet de ce qui est très attractif pour les opérateurs télécoms, parce que c'est des équipements qui jusque-là ils développaient en interne, chacun de leur côté, ou qu'ils achetaient à des boîtes qui les développaient spécifiquement. Mais donc c'était des équipements très coûteux, et là, d'un seul coup, le jeu est changé par ça. AT&T et Nortel lancent une initiative qui s'appelait 3GIP pour une norme de téléphonie de troisième génération entièrement basée sur le protocole IP. Et l'échange de ça, Nortel et AT&T, ça ne vous a pas échappé que c'était des Américains, et qu'avant on était dans un monde qui était strictement européen sur la 2G, et que bien sûr il y avait des systèmes qu'on va dire de deuxième génération qui fonctionnaient, que ce soit en Asie ou aux États-Unis. Aux États-Unis, ils avaient notamment un truc qui s'appelait le CDMA, et qui fonctionnait, mais pas aussi bien parce qu'il n'y avait pas autant d'innovation technologique à l'intérieur. Ça coupait beaucoup plus, la qualité de service était bien moindre, ça coûtait beaucoup plus cher à entretenir, et il y avait beaucoup moins de capacité sur les réseaux. Les Européens ont dit « Ok, on veut bien faire partie de votre truc, par contre, la contrepartie, c'est que vous allez implanter le GSM aux États-Unis. » Et c'est ce qui s'est produit, ça a été la grande époque où les États-Unis ont jeté le CDMA pour le remplacer par le même GSM que tout le reste du monde, parce que tout le reste du monde avait fini par adopter le GSM. Ce 3GPP qui est né en faisant collaborer la majorité des organismes de normalisation du monde, le Japon, les USA, la Chine, l'Europe, l'Inde et la Corée du Sud. C'est cet organisme de normalisation sont rassemblés dans le comité et financent et cofinancent ce comité 3GPP. Et notamment, voilà, j'ai bien dit, il y a bien l'Europe là-dedans, il y a l'ETSI qui jusque-là était le dépositaire des normes GSM. L'ETSI redonne les normes GSM au 3GPP, lui dit maintenant les télécoms mondiales
en termes de téléphonie mobile, c'est toi qui t'en occupes, et donc tu es responsable des normes GSM et tu es responsable de leur mise à jour. Et donc, notamment, les dernières évolutions du GSM, c'est plus l'ETSI qui les a produites, c'est le 3GPP, notamment GPRS et Edge, ces trucs dont vous avez entendu parler, là, dont les derniers utilisateurs étaient en 2008, juste avant de passer à la 3G, quoi. C'était des normes publiées, harmonisées et publiées par le 3GPP. Évidemment, en sous-main, enfin pas en sous-main, parce que de manière complètement officielle et publique, le 3GPP travaillait sur la norme de troisième génération, ce qui allait venir après, et qui s'est appelé l'UMTS, donc qui a été publié, dont la première version a été publiée, les premiers morceaux, pas la première version, mais les premiers morceaux ont été publiés en 2000. Et UMTS, ça veut dire Universal Mobile Telecommunication System. Et pour le coup, c'est à nouveau une vraie rupture technologique, parce que les entrailles du système 3G sont différentes en tout point de vue. Le support radio n'est pas le même, la topologie du réseau n'est pas la même, et les deux réseaux doivent exister côte à côte. Alors, on verra qu'il y a certaines bandes de fréquences qui ont pu être réutilisées pour la 3G, parce que petit à petit, il y avait moins d'utilisateurs 2G, donc il y avait plus de place. On pouvait récupérer les organismes officiels ont donné l'autorisation aux opérateurs de réutiliser les bandes de fréquences 2G. Mais encore aujourd'hui en France, le réseau 2G fonctionne. Si vous sortez un vieux téléphone de la belle époque, de quand j'étais au lycée, et ben il va toujours marcher parce que le réseau il est encore là. Alors il va pas tarder à s'arrêter, hein, parce que évidemment il a un peu plus de 35 ans maintenant, donc il coûte cher à entretenir et tout le monde a envie de l'arrêter, mais il est encore là. Donc voilà, on rentre dans le problème de la cohabitation des normes et du fait de faire vivre deux trucs en parallèle. Alors, c'est intéressant parce que du coup, est-ce que les clients ont été pris en otage ? Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai vécu cette époque-là, j'ai vécu cette transition, et j'ai pas le sentiment d'avoir un jour changé de téléphone pour supporter une nouvelle norme. Parce que la périodicité moyenne de renouvellement d'un terminal en France, aujourd'hui, elle est 3 à 4 ans. Il y a différentes études, différentes sources. Il y a des gens qui disent un peu moins de 2 ans, il y en a qui disent jusqu'à 4 ans. Mais bon, voilà, bref, l'ordre de grandeur, c'est pas 10 ans. On garde pas un téléphone 10 ans. Et depuis 2010, de toute façon, quand on achète un terminal de téléphonie mobile, il est compatible 3G. Il est aussi compatible, il était compatible avec la 2G, mais il était compatible 3G. Donc en fait, la transition vers le réseau 3G, elle s'est produite sans qu'on s'en rende compte, le réseau 2G étant toujours là et les deux ayant cohabité. Voilà, l'extinction prévue aujourd'hui, là, il y a une interview du PDG d'Orange pour les Échos qui a émis le souhait d'obtenir le droit de l'État d'arrêter le réseau 2G en 2025. Bon, voilà. Donc, pour les particuliers, ça n'a pas changé la face du monde, cette évolution de normes, alors qu'elle était fondamentale. Par contre, pour les applications industrielles, c'est pas forcément la même histoire. Parce que dans les applications industrielles, qu'on appelle M2M, machine to machine, on est amené à mettre un dispositif quelque part avec un modem GSM dedans pour remonter des données de supervision, de je sais pas quoi. Cet appareil qu'on a mis dans la nature avec ce modem GSM dedans, il est installé pour potentiellement plus que 10 ans ou plus que 15 ans. Et là, si le réseau n'est pas encore déconnecté, le réseau 2G, c'est pour ça, c'est pour ces clients-là. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs dans la nature qu'on n'a pas envie d'aller changer. Du moins, c'est une pression de la part des industriels qui ont mis ces dispositifs dans la nature, qui utilisent de la 2G et qui attendent que ces dispositifs-là arrivent en fin de vie pour pouvoir aller les changer et passer à la génération N+1. Donc voilà, c'est ce genre de changement de techno en termes de téléphonie mobile, c'est beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus critique
pour les applications industrielles que pour les que pour le grand public, du moins aujourd'hui, et peut-être que c'est un problème, parce que personne n'a dit que c'était normal de changer son téléphone tous les 3 ans. On est bien d'accord. Et donc là, on est en route vers la 4G, le 3GPP ayant publié la 3G autour des années 2000. Il y a eu diverses évolutions, le 3,5G, le HSPA. Voilà, on arrive tout doucement jusqu'à la 4G avec un truc qui s'appelle le LTE. LTE, c'était Long Term Evolution. Ouais, ça a été assez long terme, hein, ça a été 10 ans, quoi. à quoi on arrive avec la LTE? Bon, on arrive, en théorie, avec un débit disponible dans la poche de 1 gigabit par seconde. Or, en réalité, c'est pas vrai, il n'y a pas 1 gigabit par seconde, ça c'est la théorie dans un labo. Dans la nature, on a plutôt 50 mégabits. Mais c'est quand même ce qu'on fait de mieux aujourd'hui, et c'est plus que ce que la majorité des gens ont, même en connexion Internet, chez eux, avec de la DSL. Alors, ceux qui ont la fibre ont un peu plus, mais ceux qui n'ont pas de fibre, ceux qui ont de la DSL, le moyen le plus rapide aujourd'hui qu'ils ont de se connecter à Internet, c'est leur téléphone mobile. L'air de rien, c'est important quand on vit une période comme le Covid, par exemple, parce que faire une conf call. Enfin, bon, là, donc l'Electrolab, on est à Nanterre, et il y a des quartiers, comme dans toutes les villes, où même la DSL, il dépasse pas les 4 mégabits par seconde. Parce que on est sur un réseau cuivre historique et que la fibre, elle arrive, mais ça prend du temps. C'est des infrastructures longues à mettre en place. Et moi, j'habite en face de l'hôpital. Hein, je suis pas dans un coin paumé à Nanterre, je suis en face de l'hôpital et j'ai en ADSL 4 mégabits par seconde. Donc, quand je fais une conférence téléphonique avec des clients parce que je suis confiné, je prends mon téléphone mobile parce que c'est de loin le moyen le plus rapide que j'ai pour me connecter. Ce qu'on voit aussi d'intéressant, ce que j'ai marqué dans ce tableau-là, c'est l'évolution en termes de bande de fréquence. Donc avec la 3G, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rajouté une bande de fréquence. Jusqu'à la 2G, on est d'accord, on avait le 900 MHz historique depuis 1978 réservé. À un moment, il n'y avait pas assez, on a rajouté le 1800. Quand on a fait la 3G, on a rajouté une fréquence, on a rajouté une bande de fréquence à 2100. Donc à 2 giga 100, et on a dit le 900 mégas, si vous l'utilisez plus, si vous avez moins d'utilisateurs, vous pouvez récupérer des morceaux du 900 mégas pour vous en servir pour faire de la 3G dessus. Quand est apparue la 4G, on a rajouté deux bandes de fréquences supplémentaires. On a rajouté le 800 MHz, qui avant était une bande de fréquence utilisée pour la télévision. Et comme on a mis en place la TNT, qui est beaucoup moins gourmande en spectre, on a récupéré un tas de morceaux de bandes. Notamment, il y a cette bande à 800 MHz qui est arrivée et qui a permis de mettre des bouts de 4G, ainsi que 2 giga 6. 2600 mégas. Et on a autorisé les opérateurs à réaffecter des morceaux de la bande 1 giga 8. Donc c'est là où on voit que la 2G, elle s'évanouit, quoi. Elle s'évanouit parce qu'on a dit aux opérateurs, OK, vous maintenez le réseau, mais si vous voulez en réutiliser des bouts de bande de fréquence, des bouts de ressources radio pour faire autre chose, faites-le. Restent les promesses de la 5G. Alors, à nous, utilisateurs, qu'est-ce qu'on nous a promis? En pratique, 1 gigabit par seconde dans la poche, on nous a dit, vous verrez, il y a des endroits où vous aurez 10 gigabits par seconde dans la poche. Et là, même avec de la fibre, vous n'avez pas ça. Donc, en termes de débit, ce qui est la promesse technologique, est quand même considérable. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? J'en sais rien. C'est un autre débat. Mais en tout cas, on a dit aux gens, voilà, cette techno-là, qui est la 5G, elle va vous permettre de faire d'abord plein de choses différentes, parce qu'elle est très flexible. Elle va permettre d'aller parler à des dispositifs qui sont loin et pour lesquels on n'a pas besoin de beaucoup de bande passante.
comme on peut reconfigurer. Alors la particularité en 5G, c'est qu'on peut reconfigurer les émetteurs récepteurs presque à la volée. Et donc, si on a envie de parler un dispositif lointain et peu puissant, on peut le faire. Donc c'est ce qu'on appelle pour les applications type IoT. Voilà. Et puis, à contrario, si vous avez besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de débit, que vous êtes dans une zone hyper dense, eh ben, vous allez pouvoir aller chercher des débits très importants et télécharger le dernier film à la mode en 40 secondes. Bon. Ça se passe avec quoi côté bande de fréquence ? On a la bande 700 mégas, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui était déjà attribuée aux opérateurs, et qu'on les a autorisés à s'en servir, à la réaffecter. Et donc, en particulier, pourquoi est-ce que c'est intéressant la bande 700 mégas ? Plus on est bas en fréquence, plus on va arriver à faire rentrer les données, les trames de données à l'intérieur des bâtiments. Donc c'est utile pour ce qu'on appelle les communications indoor. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de terre-lève, de compteurs de gaz et d'eau, et on est en VHF, on est à 169 MHz. Pourquoi ? Parce que c'est facile, à ces fréquences-là, on peut aller chercher un compteur qui est enterré au quatrième sous-sol. Les opérateurs de téléphonie mobile, ça les intéresse bien d'avoir des bandes le plus bas possible en fréquence pour pouvoir aller faire ce genre d'application. Et ça permet d'avoir des portées très importantes. Une station, une BTS qui va savoir faire du 700 mégas, pour la bande 700 mégas, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de redondance, il n'y a pas besoin d'avoir des cellules petites. Et comme tout est dynamique, il n'y aura pas forcément la même répartition en termes d'émetteurs-récepteurs dans toutes les bandes, tous les relais ne seront pas équipés de toutes les bandes de fréquence, loin de là. Les bandes nouvelles qu'on attribue, c'est le 3 giga 4 à 3 giga 8, qui est les destiné à être le cœur de la 5G, qui est un peu intermédiaire, qui en termes de portée est intéressante et qui, du fait qu'on est haut en fréquence, permet d'avoir des débits élevés. On va y revenir tout à l'heure. Et puis la troisième bande qu'on a rajoutée dans la norme 5G, c'est le 26 GHz, ce qu'on appelle la bande millimétrique. Et le 26 GHz, lui, il est vraiment appliqué, il est vraiment destiné à des applications où on a besoin d'énormément de débit, mais avec des cellules toutes petites, parce que on ne va pas loin. Avec du 24 GHz, on ne va pas loin. Donc l'application typique du 26 GHz, c'est le hall de gare, c'est le palais Omnisport, le truc où il y a beaucoup de gens qui vont jouer avec leur téléphone, grosso modo. Ils vont être des milliers dans quelques milliers de mètres carrés, et on va chercher à couvrir ça. Et avoir des dispositifs, des terminaux qui savent faire cette bande-là, ça permet de mettre quelques stations de base 26 gigas dans ces lieux-là pour les couvrir et de ne pas emmerder les autres. Et de laisser la planification des autres vivre sa vie. Et la particularité, c'est que, bien sûr, les jours où il y aura des événements, on mettra le machin dans ce mode-là, et les jours où il n'y a pas d'événements, on ne le fera pas. Parce qu'il n'y a pas besoin. Et on sait avoir ce comportement dynamique-là du réseau. Alors, j'ai mis une formule de maths dans tout le truc. Il y en a une. faut pas m'en vouloir. Pourquoi est-ce que encore des nouvelles bandes ? Pourquoi est-ce qu'il faut des nouvelles bandes de fréquence ? Parce que dans un canal donné, dans une bande de fréquence donnée, le débit maximum qu'on peut avoir est fixé par la physique. Et donc, vous avez cette formule là qui nous dit D, c'est le débit en bits par seconde. Il est fonction de la largeur du canal radio. Et puis, il est fonction de la puissance du signal dans le canal et de la puissance du bruit dans le canal. Il est fonction que de ça. Et donc, c'est de la physique pure. Et donc, c'est les paramètres sur lesquels on peut jouer pour adapter
pour adapter notre ressource radio pour les applications qui nous plaisent. Voilà. Si, par exemple, si on fait de l'IoT, on va avoir des distances très très longues. Le bruit, bah, il va pas changer. C'est une constante. On va difficilement savoir changer le bruit, si ce n'est en faisant des applications type qu'on appelle le MIMO, c'est-à-dire quand on utilise plusieurs antennes, on mélange les signaux qu'elles reçoivent pour synthétiser une antenne virtuelle qui pointerait vers un truc bien défini. Et là, ça permet de jouer un peu sur le paramètre bruit. Et la 5G sait faire ça. Donc on sait pointer une antenne virtuelle vers un dispositif, vers un terminal qui est dans la nature. Donc si on est dans ce cas-là, dans le cas d'un dispositif qui va être lointain, le débit maximum possible va diminuer. Parce que si on regarde la formule là, la puissance, le S diminue. Comme le truc est plus loin, on le reçoit plus petit, et donc ça va avoir comme effet de diminuer le débit maximum possible. C'est pour ça que en IoT, les débits dont on parle, c'est quelques centaines de bits par seconde jusqu'à quelques kilobits par seconde, mais jamais plus. Et quelques kilobits par seconde, c'est dans des conditions très très bonnes. Mais typiquement, voilà, les modes les plus longues distances dans les deux grands standards existants aujourd'hui qui sont sur le terrain, qui sont LoRa et Sigfox, c'est la centaine de bits par seconde. Et le NB-IoT, qui est le pendant de téléphonie mobile qui va avec la 5G, c'est pareil. Dans les modes les plus lents, il descend jusqu'à la centaine de bits par seconde. Effectif, disponible. La largeur du canal, elle est limitée par la réglementation ou la norme utilisée. C'est la norme ou la réglementation, l'autorité qui nous dit « je vous donne tant de mégahertz de bande ». Bon, ça nous dit la quantité de données qu'on va savoir faire passer. Ou la norme qu'on utilise qui nous dit « voilà, nous ce qui est normé, c'est que les canaux ils font tant de large ». Donc ça, l'air de rien, c'est important parce que si on veut faire passer beaucoup de débit, c'est mathématique, c'est physique, il faut une largeur de bande plus importante, il faut plus de ressources de fréquence. La particularité, c'est que plus on monte en fréquence, plus on travaille dans des bandes qui sont à des fréquences élevées, typiquement le 26 GHz, là, ou même déjà le 3 Giga 4, de 3 Giga 4 à 3 Giga 8, l'air de rien, ça fait de la place. Plus on monte en fréquence, plus on a des bandes qui sont grandes, plus on a de place pour s'étaler. Parce que les tronçons, les portions de bande qui sont affectées aux utilisateurs sont plus grands. Ça permet de faire des débits plus élevés. Le dernier paramètre de la formule, là, sur lequel on peut discuter un peu, c'est le signal sur bruit, S sur B. Et ça, en pratique, c'est les performances des récepteurs. Et ça, évidemment, c'est directement dicté par l'état de l'art de la technologie. Parce que la technologie évoluant, on sait faire des meilleurs transistors qui ont un meilleur facteur de bruit et qui permet d'avoir un rapport signal sur bruit meilleur. Et ça, plus on prend des composants modernes, meilleur ça se passe. Parce que l'effort de recherche et développement dans le domaine des transistors, il est là. Et donc, on pourrait conclure de tout ce que j'ai dit que, donc il faut plus de cellules, en fait. La 5G, c'est bien, mais il va falloir plus de cellules. Oui, c'est vrai. Globalement, à l'échelle du pays, il y aura probablement plus de cellules. Mais par contre, ces cellules, ça sera probablement pour la majeure partie des cellules qui seront beaucoup moins puissantes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 5G, on a une flexibilité qui n'existait pas avant et qu'on sait remanier le réseau de manière dynamique et qu'on sait faire des choses beaucoup plus intelligentes sur l'aspect conso. On sait éteindre des morceaux, on sait éteindre des sous-bandes, on sait ne pas émettre d'énergie dans une bande de fréquence qui n'est pas utilisée à un instant T. Donc oui, dans les zones très denses,
on aura envie d'utiliser du 26 GHz. Et aujourd'hui, des stations de base à 26 GHz, il n'y en a pas. Par contre, je vous rassure, une station de base à 26 GHz, ça va prendre la taille d'un carton, du carton de pomme qui est là, posé sur le comptoir. Vous voyez, ça ne va pas être plus grand que ça. Parce que l'antenne, elle est toute petite parce que c'est du 26 GHz, parce que ben, on va directement brancher du réseau d'un côté, du réseau Ethernet, du réseau IP, du réseau de l'Internet, du grand Internet mondial. Et puis de l'autre côté, ben, l'antenne elle va être presque intégrée dans la boîte, et puis ça va être ça la station de base. Elle ne va pas consommer les 10 ou 15 kilowatts que pouvait consommer une station 2G dans les années 80. Voilà, ouais, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire là-dessus. Ouais, les opérateurs, bien sûr, il ne faut pas du tout négliger l'aspect conso énergétique, l'aspect coût que ça a pour eux. Je crois que j'ai mis le chiffre. Oui, voilà. Orange, en 2017, le réseau de téléphonie mobile d'Orange représentait 0,35% de la consommation nationale d'électricité. C'est pas rien, hein. 0,35% de la consommation nationale d'électricité, c'est beaucoup. Mais ben, ce chiffre-là, alors que c'est 2017, on était en plein dans le passage à la 4G, etc., ben, ce chiffre-là, il était en diminution, pas en augmentation. Parce qu'ils n'ont absolument pas envie d'avoir un réseau qui consomme plus, ça leur coûte déjà assez cher comme ça. Donc voilà, quel va être le gain en termes de conso ? Je sais pas le dire. On n'a pas les données des fabricants de stations de base aujourd'hui. Dans un premier temps, il y a beaucoup de stations de base qui seront les mêmes qu'avant, où on va simplement reparamétrer du logiciel pour leur faire supporter les petites évolutions de protocole qu'il y a, pour que ça fasse des bouts de 5G. Parce que la 5G, c'est une techno à tiroir. Et donc, avec la station de base 4G qui était déjà là, et ben en fait, vous faites déjà de la 5G, puisque la 4G fait partie de la 5G. Donc, sur l'aspect support radio, pas de problème. Et sur l'aspect protocolaire, ben ouais, il y a une petite mise à jour soft à faire, quoi. Donc là, évidemment, dans un scénario comme ça, la conso va pas forcément changer beaucoup. Elle peut être un peu diminuée, parce qu'on va couper des morceaux de radio à certains moments, quand il n'y aura pas d'utilisateur à 3h du matin. Mais ça va pas forcément changer la face du monde. Par contre, la modernisation de ces stations de base, elle, d'un point de vue énergétique, elle aura du sens, parce qu'on se retrouvera avec des composants plus modernes qui ont tendance à consommer moins, étant donné la topologie du réseau. Donc voilà, il n'est pas impossible que dans les années qui viennent, on renouvelle des relais, non pas parce qu'ils sont plus exploitables, plus utilisables, mais juste parce qu'ils consomment trop. Puis bien sûr, vient la question sanitaire. Et là, on rentre en plein dans la polémique. Donc, la 5G utilise des fréquences qu'on connaît depuis longtemps. On a parlé, le 26 giga, c'est à côté des radars météo, donc on utilise ça depuis longtemps. Le 700 méga, on utilise ça depuis très longtemps aussi, c'était déjà utilisé en 2G, voilà. Et oui, bien sûr, les ondes électromagnétiques, ça a des effets sur les tissus biologiques. Et on le sait tous. Le premier truc, c'est sur un téléphone, il faut marquer un paramètre qui s'appelle le DAS. Et ce paramètre-là, il sert à mesurer l'échauffement des tissus. Donc oui, il y a des effets. Ça, c'est des effets thermiques, qui sont les effets sur lesquels se concentrent les normes. Et ce n'est pas les seuls. Il y en a d'autres. Par exemple, en ultraviolet, les ultraviolets sont des ondes électromagnétiques. On sait que c'est cancérigène, les ultraviolets. On le sait, j'ai dit le grand méchant mot, j'ai dit cancérigène. Et on sait que les ultraviolets, c'est cancérigène. Bon, très bien. Mais par contre, la question, c'est quand on parlait d'ondes électromagnétiques au sens large, ça n'a pas de sens. Il faut parler des ondes électromagnétiques dont il est question là. Le consensus scientifique sur les bandes de fréquences qu'on utilise dans le domaine de la téléphonie mobile, ben c'est que à part l'échauffement, on ne connaît pas d'autres effets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et le consensus scientifique qui dit, nous, tout ce qu'on a observé pour le moment, c'est l'échauffement. Alors, ça n'exclut pas le principe de précaution, évidemment.
Et ça n'exclut pas que l'effet thermique soit sans danger. La preuve, c'est qu'on a fixé une limite normative. Donc c'est bien qu'on a le pressentiment que ça présente un danger. Bah, tous les matins, je mets mon bol de lait dans mon micro-ondes et en 15 secondes, le machin, il passe de 4 degrés température de sortie du frigo à 50. Et j'ai pas envie d'être à la place du bol de lait. Voilà, ça c'est, on va être clair. Maintenant, je suis pas dans un four à micro-ondes. Et les densités de champs qu'on peut avoir dans la nature ont absolument, absolument, absolument rien à voir. Et donc, c'est ça qui est important à rechercher comme information dans ce débat-là, c'est d'aller rechercher de quoi on parle en particulier. Quel est le sujet, particulier. Et là, sur les bandes de fréquences qu'on utilise en 5G, ben le consensus, c'est qu'à part l'échauffement, on ne connaît pas d'autres effets. Alors, quand je parle de principe de précaution, ce qui est important aussi à voir, c'est que ce qui est dangereux, ce qui est pas dangereux, mais un risque, c'est d'empiler les principes de précaution. C'est-à-dire qu'on a une publi scientifique qui dit, voilà, on est prudent, on fixe un seuil, on fixe une norme qui est à tel seuil. Pourquoi ? Ben parce qu'on pense que 10 fois plus grand que ça, ça commence à être dangereux, et donc on va mettre la norme à un dixième. Voilà. Puis pour être sûr d'être largement en dessous, ça c'est la première étape du principe de précaution. Moi, je suis papa d'un bébé de 9 mois, je lui donne pas mon téléphone pour jouer. Elle ne joue pas avec mon téléphone. Et pourtant, je suis absolument convaincu du consensus scientifique. Mais par contre, voilà, moi, quand je parle dans mon téléphone, ma boîte crânienne, elle a un volume, elle fait un certain nombre de kilos, et pas la sienne. Il est même très probable que ça pose pas de problème. N'empêche que, son utilisation du téléphone mobile pour ma fille de 9 mois, c'est de faire coucou à papy, mamie quand on fait une visio, mais c'est moi qui tiens le téléphone, c'est pas elle. Ça c'est appliquer le principe de précaution. Dire oulala. Il faut tout arrêter, toute la R&D dans tel domaine, parce que là, on sort un peu du principe de précaution de base, peut-être, je pense en tout cas. Il faut se méfier de ce risque-là. Il faut se méfier des risques supplémentaires qu'on prend à empiler trop de couches de principes de précaution les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'il faut avoir une réflexion critique et constructive sur pourquoi les normes ont été fixées comme ça. Et quel est le niveau de précaution déjà appliqué ? Peut-être qu'il en faut un peu plus, ok ? On peut en rajouter. Et jusqu'où on va ? Est-ce que ça passe par le fait de pas doter un pays d'un outil ou pas ? C'est une vraie réflexion. Et pour le coup, elle est vraiment politique. Alors j'ai parlé d'un truc qui s'appelle le DAS, qui est le débit d'absorption spécifique, SAR en anglais, et qui est le chiffre qui doit être marqué sur tous les téléphones que vous achetez. Donc il y a des normes européennes qui disent quel doit être ce débit d'absorption spécifique et qui différencie les zones du corps où la mesure se fait. Donc typiquement, on considère que sur la tête et le torse, il ne faut pas dépasser 2 watts par kilo. Alors en pratique, la mesure, elle se fait dans un fluide qui est représentatif des caractéristiques électromagnétiques de la chair humaine. Voilà, donc on utilise un truc qui s'appelle un fantôme, qui est une poche qui a la forme d'un morceau de tronc ou de la tête de quelqu'un. On met un capteur à l'intérieur de ce truc-là, on met le téléphone et puis on regarde dans un cube de 10 grammes. Quelle est la puissance qui est dissipée dans ce cube-là. Et donc on extrapole ce que ça fait sur un kilo, et il ne faut pas que ça dépasse 2 watts par kilo. Donc on intègre sur un volume élémentaire, une masse élémentaire de 10 grammes.
Sur le corps tout entier, il ne faut pas dépasser 80 milliwatts par kilo. Et sur les membres, bras et jambes, on parle de 4 watts par kilo. Ça, c'est les normes européennes aujourd'hui. Et il y a une loi qui s'appelle la loi Abeille qui dit que c'est obligatoire de déclarer le DAS sur tous les produits dont la puissance d'émission est supérieure à 20 milliwatts. Donc tous les téléphones sont dans ce cas-là. Et dès lors qu'ils seront utilisés à une distance de moins de 20 cm du corps. Alors, c'est des normes les chiffres n'ont pas évolué beaucoup. Par contre, la manière de faire la mesure a pas mal évolué, y compris récemment. Et en particulier, ce qui a évolué et que je n'ai pas marqué là, c'est que il faut prendre en compte les puissances d'émission pic. Parce qu'on a bien compris que quand on était face à un téléphone ou face à un dispositif quelconque, il pouvait émettre très fort pendant pas longtemps. Et puis, que si la mesure elle se fait intégrer sur N minutes, eh ben on pouvait ce pic-là, il pouvait être absorbé, on pouvait ne pas le voir. Donc on a rajouté par-dessus ces chiffres-là la spécification d'un maximum instantané. Voilà, et on a spécifié que la mesure elle se faisait intégrer sur 6 minutes. Voilà. Donc, l'air de rien, enfin, c'est des normes qui bougent, qui évoluent, et il y a des gens qui réfléchissent au problème. Et si on s'intéresse, si l'ICNIRP s'intéresse essentiellement au problème d'échauffement avec ce DAS, puisque cette puissance dissipée, c'est une puissance d'échauffement, hein, c'est parce que il tient compte du consensus scientifique qui n'a pas trouvé, ou il n'y a pas eu de publi, ou qui n'a pas trouvé d'éléments qui tendraient à montrer même de loin que peut-être il y aurait d'autres effets biologiques que l'échauffement. Alors, on commence à avoir fait le tour. L'air de rien, il y a quand même des points à creuser autour de cette techno, qu'on considère qu'il faille faire un moratoire ou pas. Il y a quand même des choses à réfléchir sur l'aspect légal, enfin, ou du moins contraintes qu'on pourrait imposer aux fabricants ou aux opérateurs. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de cellules 4G qui sont reliées par une simple ligne ADSL. C'est l'immense majorité des cellules 4G, elles sont reliées par une simple ligne ADSL, et donc vous êtes en face d'un relais 4G, vous avez votre téléphone 4G, et pourtant votre débit, il est nul. Alors que si le relais était relié correctement au réseau, par un moyen plus rapide que cette ligne ADSL en campagne, là, eh ben, on pourrait ne pas avoir envie de changer la techno tout de suite. Ou on pourrait avoir envie de garder les antennes et de changer l'émetteur qui est en bas, dans une logique de 5G. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où en 5G, ça va se passer comme ça. On va garder des antennes et changer l'émetteur. Des fois, on fera le contraire, d'ailleurs. On changera les antennes et pas l'émetteur. sur les émetteurs récents. Donc, dans la liste des choses qui sont quand même à creuser en termes de vie du réseau existant, c'est qu'il faudrait peut-être un peu le maintenir, ce réseau-là. Enfin, le maintenir et le faire évoluer en termes d'infrastructure hors périmètre d'évolution technologique radio. Il y a aussi une vraie question vis-à-vis de la durée de vie des terminaux. Quand est-ce qu'on aura moyen, nous, utilisateurs, grand public, de pouvoir avoir une petite idée de combien de temps va durer le device qu'on achète? Et si moi je suis prêt à payer 100 euros de plus pour qu'il vive 2 ans de plus, comment je fais? Quels sont les éléments que j'ai? Alors que dans l'industrie, on a des outils pour faire ça. Voilà, on a des outils pour mesurer le MTBF. Voilà, ça se calcule. On prend la température à laquelle fonctionnent les composants. On prend les composants et on dit voilà, la probabilité pour que ce truc-là il soit en panne au bout de tant de temps, elle est de temps. Voilà. Donc, c'est n'importe quel industriel sait faire ça, sait faire ce calcul. Peut-être qu'on pourra réfléchir à rendre son affichage obligatoire. Ça ne fera pas rire tous les industriels, hein, mais on pourrait réfléchir à des choses comme ça. Et puis, y a un moment où il faudra réfléchir aux usages, parce que, avoir un gigabit dans la poche de tout le monde, c'est bien,
mais ça ne va pas aller sans poser des problèmes de société. Le harcèlement en ligne, des gosses de collège qui continuent à se foutre sur la gueule quand ils rentrent à la maison en permanence, et même s'ils ne sont plus ensemble, ça finit par porter sur le système et ça cause des suicides. Aujourd'hui, on parle de ça. Donc voilà, ça, c'est des questions qui sont autour de la techno. Sur lequel je pense que moi, en tant que membre d'un parti politique, j'ai envie de réfléchir à ça. Et je pense qu'on devrait le faire collectivement. Je ne sais pas si, pour le coup, l'usage de la technologie en tant que tel, lui, doit se discuter tant que ça. C'est une vraie question. Une technologie comme la 5G, c'est une infrastructure. C'est une vraie question de savoir si on retarde ou pas la mise en place d'une infrastructure qui représente des intérêts économiques aussi, hein, voilà. Mais sauf que les intérêts économiques, ça a du sens parce que les gens, il faut qu'ils aient du boulot, voilà. C'est l'essentiel de ce que j'avais à dire sur le sujet. Je ne sais pas si j'essaie de pas faire trop de maths, mais de dire quand même de la technique, d'apporter des éléments historiques pour comprendre d'où tout ça venait et pourquoi il y avait eu ces évolutions et pourquoi des fois elles posaient problème et des fois elles en posaient moins. Voilà, j'espère avoir fait un peu le tour de la question. J'ai sûrement oublié plein de choses, mais on pourra toujours imaginer compléter la chose plus tard. Voilà.